On était maraîchers, en fait, de père en fils, quoi. La transmission du patrimoine se faisait automatiquement, mais elle se faisait uniquement par le fils aîné. Toute la famille y travaillait, bien sûr, hein, ça partait du... Même des grands-parents, quand ils étaient en retraite, le père, la mère, le patron, la patronne, comme on disait, et puis les enfants, quand ils, même bas âge. Hein, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13-14 ans. Hein, rouler les brouettes et tout, c'était pénible. En général, c'était 4 à 5 personnes hors famille qui travaillaient sur l'exploitation, en moyenne. Il y en avait qui n'en avaient pas, parce que ceux qui avaient une famille nombreuse, 3, 4, 5 enfants, bah, c'était facile, il n'y avait pas besoin de communier de bonne. Mais ceux qu'on n'avait pas, ben, c'était oui, 4-5 personnes. Ça allait jusqu'à 10, 15, mais il n'y avait que un ou deux maraîchers, c'est tout. Parce que là, ça, on peut appeler ça des gros maraîchers à l'époque. Alors, on était 14 à manger, enfin, moi, chez mes parents, 14 à manger autour de la table. Et donc, on avait des marmites, des grands faitous, elles faisaient... La soupe de citrouille, je m'en rappelle. Et je m'en rappelle quand elle débrassait des galettes, la farine dans sa galettière. Oh, elle transpirait. Oh, elle était toujours à s'essuyer, ma mère. Oh là 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 là. Et puis elle faisait aussi des beautrots faits avec de la farine de blé noir. Et puis c'était épais. On mangeait ça. Oh là là, c'était bourratif surtout. On mangeait ça avec de la confiture, je m'en rappelle. Au sortir de la dernière guerre, les maraîchers nantais, Doulonnais, produisait des primeurs. C'est ce qui fit la réputation de Nantes, d'ailleurs, parce que, au même titre que le petit Berlu, les primeurs nantais étaient réputés dans toute la France, et bien sûr à Paris. Et donc la réputation de Nantes, elle était faite. Hein. Donc tout le monde connaissait Nantes. C'était important. Les légumes, principalement, qu'on faisait, donc c'était la carotte, d'abord, l'emblème du métier. La carotte, le poireau, le navet, les radis, la salade, les différentes salades, hein. Le melon, les tomates, voilà les 8 principaux légumes, quoi. À la gare, il fallait arriver à midi pile, parce que si on n'arrivait pas, ben là, on avait l'amende, et puis ben, on retournait avec le chargement. Alors souvent, quand on retournait, ben, les légumes, l'année de, le lendemain, ils n'étaient pas frais, donc ils étaient dépréciés quand il fallait les expédier sur Paris. C'était la cavalcade pour arriver à midi. Entre les deux guerres, donc, ils allaient... faire leur marché au Champ de Mars. Ben là, c'était, ils allaient soit avec leur camion pour les maraîchers les plus riches, autrement, ben, c'était à cheval. Hein. Et je me rappelle, ma grand-mère, quand elle est allée livrer un jour ses légumes au marché du Champ de Mars, il se levait à 4h, 5h du matin, parce qu'il fallait être de bonne heure. Eh bien, elle s'était prise avec sa charrette à cheval dans une aiguille de tram, et puis bloquée. Et c'était épouvantable. Et pour une femme... Son mari était parti à la guerre, donc c'était pas rien. Ouais, il y a eu des époques, pour tout le monde d'ailleurs, hein, difficiles. Là, c'était dur. On peut parler aussi des tornades qu'on a eues. Notamment la première tornade du 22 juin 1966, qui là avait fait énormément de dégâts, quoi. C'était une tempête, quoi. Vraiment très forte, une tornade, quoi. Et là, des milliers de châssis chez les maraîchers avaient été, s'étaient envolés, quoi, cassés, tout, détériorés. Donc il y avait des pertes considérables. Il y avait beaucoup de toits de maisons envolés, et notamment le clocher de l'église du vieux Doulon, Saint-Médard, lui qui s'est retrouvé carrément pointé, pointe en bas, à côté, dans la cour du presbytère, sur une voiture. Et là, c'était épouvantable. C'était énorme. Et puis l'autre tornade, ou disons un épouvantable orage de grêle, dont les grêlons étaient plus gros qu'une balle de ping-pong. Et là, ça s'est passé le 18 juillet 1983. Et donc là, ça avait anéanti toutes les serres de chez les maraîchers,
ainsi que les châssis. Les cercles étaient en pleine production, les châssis aussi. Donc là, ça a été fatal à plusieurs maraîchers. Il y en a qui se sont dit, non, on ne repart pas. Donc là, il y a beaucoup de jeunes, enfin, de gens qui ont arrêté, quoi. Voilà. Quand on était jeune, hein, on allait sortir, on sortait en discothèque ou n'importe, on s'amusait, quoi, bien sûr. Et le soir, eh bien, souvent, ça c'était sorti de l'hiver, quand il y avait des légumes fragiles sous les châssis, eh bien, il fallait remettre les paillons. Alors les paillons, c'est de la paille qui est assemblée, et puis en rouleau, et puis on le déroulait sur les châssis, de façon à protéger les melons ou les concombres ou les tomates qui se trouvaient sous les châssis. Parce qu'il y avait des gelées le lendemain matin. Donc là, elles auraient tout grillé, puis la culture m'a anéanti. Hein. Donc là, on avait ordre de nos parents, absolument, ça c'était très important. Puis on s'entraidait entre fils de maraîchers. On allait chez un, on était 7-8, et bien on allait 7-8 chez un, après hop, tout le monde passait chez l'autre, et voilà, ainsi de suite. C'est pareil, au même titre que l'aération. L'aération des châssis, on soulevait un châssis, on mettait une cale de bois. En général, c'est un bois de châssis usagé qu'on coupait à une certaine hauteur. Puis hop, on levait le châssis, puis on un sur deux, ou voilà. À l'époque, on avait quel âge? 16-17 ans, quoi. Hein, 18 ans, non, 16-17 ans. On savait que, bah, finalement, c'est notre gagne-pain. Hein. Si on le faisait pas, ceinture, hein. Ah oui, oui. Donc, on était responsabilisés. Ah oui. Non, c'était pas une galère. Hein. Et souvent, même, je dirais, c'était presque un amusement, parce qu'on allait le plus vite possible. On faisait la course. C'est à qui arrivait le premier au bout de la ligne de châssis. Ah oui, des fois, on tombait dedans. Hein. Fallait faire gaffe. Hein.